Hello la famille, recevez ici JMC Picard. Aujourd'hui, je vois des vieilles mamans, je vois des vieilles femmes paresseuses qui font des panels pour critiquer la petite fille qui dit ceci. Kono, moi dans ma maison, Servan n'a pas le droit de se tresser avec moi. J'espère que vous avez déjà entendu parler de cette fille, elle s'appelle Sarah Kofi. Les mamans, écoutez-moi bien. Quand aujourd'hui la petite fille vient, elle fait cette sortie, elle est en train de vous interpeller sur certaines choses que vous ne savez pas. Aujourd'hui, j'aimerais dire ici que toutes ces mamans qui ont fait les panels là, vous êtes tous des grosses paresseuses. Sérieusement, vous êtes les vraies paresseuses. Parce que vous pouvez prendre des servantes, mais dans chaque corporation, retenez ça bien, dans chaque corporation, il y a ce qu'on appelle les tâches. Tu peux prendre une servante, tu lui dis, toi, tes tâches là, c'est pour laver habits des enfants, c'est pour suer la maison, et puis préparer, tu vas manger avec mes enfants. Sachez que la nourriture de l'homme, normalement, c'est toi qui dois préparer. Il y a les petits, même si tu travailles dans fonction publique, il y a les petits trucs là qu'on appelle qu'on nourrit la même. Les petits congélateurs là. Tu cuisines, ça est dedans. Mais ça est dans les bols en plastique là. Ça est dedans. Tu donnes ton mari manger un peu. Vous voyez un peu. Mais quand vous donnez tout à la servante, le monsieur qui te travaille va venir. Et tonton, la nourriture est prête. Tonton, tu as aimé la nourriture, non? Tonton, quand tu as mangé, c'est comment? Tonton, mais arrivé un moment, le monsieur s'attache à la petite. Et ce qui est entre notre jambe, ça ne réfléchit pas. Ça ne réfléchit pas. Mais quand tu es une femme, même si tu ne peux pas préparer sur les 4 jours de la semaine, parce que si on fait 5 jours de travail, tu peux au moins un jour dire à la servante aujourd'hui là, il faut laisser la nourriture, moi-même je vais préparer et dire à ton mari, le servir, le bercer, causer à lui et lui poser la question, est-ce que tu as mis ma nourriture? Il y a longtemps, je n'ai pas préparé. Au-delà, moi-même, j'ai dit à qui c'est d'attendre. Tu es marié, tu sais ni cuisiner, même les jours même du repos de la servante, tu demandes pardon, il faut préparer avant de partir. Tu n'as pas honte. Il y a des dames. Puis même, c'est-à-dire que ton magasin est tout près de la cour. Tu te vends tes habits. Quand tu arrives, elles sont couchées dans le magasin, la pied est dehors. Elles sont fichues même de prendre fourneau, déposer là, faire un beau repas pour le monsieur. Et qui va quitter au travail, venir, va manger. Toujours, c'est la servante. Mais si elle a servi le monsieur dignement, et qu'un jour le monsieur voit l'attachement, bien, il ne peut que te laisser pour la servante. La petite fille vient vous parler. C'est vrai qu'elle a pris ce système un peu comique, mais c'est une réalité, c'est une interpellation. Donc les vieilles qui sont sur les panels là, c'est humiliant de votre part. C'est humiliant souvent là. Écoutez, lisez entre les lignes. Qu'est-ce qu'elle voulait, elle voulait dire? Il y a d'autres mêmes qui n'arrivent même pas à laver leur propre soutien aux servantes. Tant au bibi, il y a quelqu'un au bureau. Soutien aux servantes. Tant aux servantes. Mais elle vous a dit la vérité. Elle vous a dit la vérité. Vous devez la féliciter. Sur ce, portez-vous bien. Et puis, il y a une qui disait dans des panels, les servantes, elles viennent là. Elles frappent ton enfant. Elles jettent ton enfant. Mais tu n'as même pas le temps pour ton enfant. Il y a des mamans même. L'enfant, c'est vrai, tu travailles. L'enfant est la servante. Matin, midi, soir. Quand elle va venir, bébé dort. Matin, elle est fichue de laver son bébé pour moi garder l'affection et l'amour maternel à cet enfant-là. C'est Sévan qui a lavé. Le temps que ce bébé aussi se réveille à 8 heures, le bébé peut taper une semaine, ne voit même pas sa mère. L'enfant ne dort même pas avec elle. C'est sur Sévan. Mais arrivé un moment, elle en a marre. Aujourd'hui, quand nos enfants souffrent dans les maisons, quand on les frappe, il y a tout ça. Donc, c'est une interpellation venant de la part de Sarah Kofi. Et d'ailleurs, je félicite. Vous devez comprendre ce qu'elle veut dire. Ouvrez un peu. Un petit quelqu'un. JMCPK.